Bienvenue, Madame Pagna. Bienvenue, Monsieur Liger. Bienvenue, cher public. À côté de nos classes de Mathieu, hein, qui sont là réunies à l'école pour vous, avec quelques collègues professeurs, il y a peut-être des gens de l'extérieur qui sont venus ici aujourd'hui parce qu'ils ont lu que cette rencontre a lieu cet après-midi. Ils ont lu ça dans le culture calendrier. On a un culture calendrier à l'école et l'après-midi avec nous est un point de notre culture calendrier. C'est la troisième fois déjà que la Fondation.Suisse, que la Fondation.ch, nous envoie un duo d'auteurs, c'est-à-dire un auteur et un traducteur, ou un auteur et une traductrice à l'école. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir ici. C'est un événement pour nos classes, c'est un événement pour nous aussi, de vous avoir ici. Cette année, la lecture, le livre qui est présenté, est, vous avez entendu, vu le titre, La leçon de Judith, ou en allemand, Judith vom Echnis. Ça c'est, Monsieur Heiliger est traducteur, Madame Pagna a écrit le livre. Die beiden werden uns vorlesen aus den Texten und wir werden mit ihnen in ein Gespräch kommen über Übersetzung, über die Übersetzung, über die Personen, über das, was im Buch passiert, über wichtige Themen. Und ich sage etwas Sätze auf Deutsch, aber ihr wisst, dass Fragen auf Deutsch möglich sind, man soll sich nicht genieren. Madame Pagnard est née au Jura, elle est jurassienne, elle a longtemps vécu en Suisse alémanique, elle connaît très bien allemand. Vous avez vécu 20 ans à Bâle, j'ai lu. Elle est écrivaine et journaliste, a écrit plusieurs livres, plusieurs romans et puis plusieurs livres qui sont des nouvelles. La leçon de Judith est son premier livre traduit en allemand. La traduction date de 2002. Ouais, c'est ça. En 1999, elle a eu le Schiller. Herr Hedigan ist in Zürich geboren, hat längere Auslandsaufenthalte hinter sich, habe ich gelesen, in Paris, Bordeaux und auch in Berlin. Er ist Autor und Übersetzer und wurde für seine Arbeit mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet. Neben Frau Pagnard hat er andere bekannte Westschweizer Autoren und Autorinnen übersetzt. Ihr kennt vielleicht Yvette Kraken, Alice Riva, et un monsieur qui s'appelle Jacques Mercanton. Dank Google habe ich auch in Erfahrung gebracht, dass Sie beide schon Übersetzungsateliers, zum Beispiel an den Literaturtagen von Solothurn, veranstaltet haben. Das ist interessant für uns heute auch. Beim Übersetzen werden uns Sprachgrenzen bewusster, denke ich mal. Vielleicht habt ihr das auch erfahren bei der Vorbereitung dieses Nachmittags. Was geschieht mit einem Text in der Übersetzung? Ça, ça sera peut-être une question qui nous occupera cet après-midi, à côté des autres questions que vous pouvez avoir. J'aimerais juste dire, citer une phrase dans le texte. Votre livre m'a beaucoup plu, m'a beaucoup impressionné. J'aimerais vous citer une phrase de la vieille dame qui s'appelle Judith dans le livre. Elle dit à la jeune narratrice la phrase suivante: ouvrez les yeux, multipliez les perspectives. Et en traduction, öffnen Sie die Augen und dann schaffen Sie sich Perspektive.